Et salam le monde, le son Attends Attends 2 avec le frérot Tev est enfin dispo sur toutes les plateformes de stream. Le clip est en ligne sur ma chaîne HPP Music, tout est dispo dans la description. N'hésite pas à utiliser le son sur TikTok. Le meilleur TikTok avec le titre Attends Attends 2 aura une très très belle récompense, je te le promets. Bonne vidéo à toi et la fucking Bills. Et salam le monde, ça Gimbab aussi, j'espère que vous allez bien. On se remercie pour une nouvelle vidéo réaction avec les gars, le tout dernier clip de Kaaris et Kalash Criminel sur le titre T'Challa. Parce que les gars, oui, 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 en 2022, on va avoir un album en commun entre ces deux-là. Et bien sûr, franchement, je pense que voilà, ça va être un des albums de l'année 2022 et un des albums les plus attendus évidemment. Et là, il nous offre du coup ce premier clip, ce premier extrait de ce projet. Donc bien sûr, les gars, j'ai vraiment hâte là de réagir de suite. Donc les gars, n'hésitez pas bien sûr à liker un maximum la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait, surtout à activer cette cloche. Et les frérots, bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes hypé par ce projet ou pas. C'est à vous de jouer quoi. Bon allez, let's go. Ah ouais. Ah ouais, la balle va loin. Oh, mais j'ai trouvé ce bail là ouf. Ah mais le clip il est ouf wesh. Oh. Ah là mon gars, j'ai hâte du couplet de Kaaris, hein. J'espère que ça va être du son du hors noir là. La question est posée par la Kala. Hey, on va les faire chanter comme Ascala. Les couilles en vibranium comme T'Challa. Et une lettre sur le fusil, le tir est rectifié. Ton compte OnlyFans est certifié. Mais le peu clé est ouf. Oh là là, c'est quoi ce clip frère? Incroyable. Incroyable. Frère, incroyable. Du coup les gars, le titre T'Challa de Kaaris et Kalash Criminel, hein, bien sûr qui vont sortir ce projet en commun, les gars, franchement. Le clip m'a mis des teutards de ouf. Ah mais les gars, le clip, est-ce qu'on peut parler du clip direct? Ouais, j'ai jamais vu un clip avec autant de transitions et autant de transitions de ouf. Vraiment, après peut-être qu'il y en a, je pense, qui vont dire ouais, peut-être que c'est un peu abusé. Mais je trouve que ça va tellement avec l'univers du son. Et je sais pas, c'est un délire tellement brosson. Mais brosson, mais version 2021-2022 quoi. C'est là pour moi, ce clip là, il a mis une claque à tous les clips du moment. Mais honnêtement, parce que dans le sens où je trouve le délire très frais, le délire assez unique, et on dirait que ça va en inspirer plus d'un, je pense, tu vois, ce type de clip. Ah vraiment, donc gros de chapeau, évidemment, voilà, d'ailleurs, est-ce que ça doit être noté, hein, ça, dans... Qui a fait ce clip là, qui a fait ça? Donc ça a été réalisé par Aja Prod et produit par Mania Films. Ouais, je sais bien lire, hein. Mais vraiment, gros coup de chapeau, hein, parce que là, ils ont mis les moyens. Ils ont mis les moyens pour nous offrir un truc hyper, hyper lourd. Donc, bien sûr, le clip hyper validé. Et les gars, le son, c'est... Bah voilà, quoi, c'est du carré, c'est Kalash Criminel. On a le Kalash Criminel très, très brosson, avec des punchs, vraiment, moi, qui me font rire. Des punchs très sales et tout. Et puis, t'as le Kaaris, on va dire, pas le hors noir prime, mais dans cette thématique-là, dans ce côté-là et tout. Et ouais, et puis il faut parler aussi de la prod. J'ai trouvé la prod monstrueuse. Je sais pas non plus qui a fait la prod, mais il faut qu'on en parle. Alors là, il y a personne qui a mis, enfin il y a pas le gars qui a fait la prod. Enfin bon, bref, mais en tout cas gros big up au beatmaker. Et ouais, c'est un bon petit premier extrait, je pense, qui va hyper tout le monde pour le projet, parce que tout le monde veut ce Kaaris là, tout le monde veut ce Kalash Criminel là. Alors après, est-ce que dans leur projet ils vont prendre des risques, ils vont tenter des choses un peu ouf, même si Kaaris a déjà tenté des choses. Kalash Criminel un peu moins, mais pourquoi pas aussi le voir sur le côté Zumba sur quelques sons. Mais dans cette
cette thématique là, dans ce bail sombre, dans ce genre de beat, de prod très très lourde et très très brosson. Voilà, là je pense que ça va être l'un des meilleurs sons du projet clairement. Mais pour un premier extrait, c'est très très bien fait, c'est sans prise de risque et franchement gros coup de chapeau. Donc évidemment T'Challa, c'est validé frère. Donc voilà les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et les frérots, dites-moi en commentaire voilà si vous avez kiffé ce premier extrait, si vous attendez de ouf ce projet. Parce que là, c'est pas le seul album en commun qui arrive pour 2022, il y a également Lacrim Mister You. Donc voilà, dites-moi quel est le projet que vous attendez le plus en commentaire. Voilà, on peut en débattre. Et bien sûr, bah nous on va revenir très très vite les gars hein. Là ça va envoyer vidéo sur vidéo jusqu'à lundi, mardi. Les gars, j'ai plus de life, mais ça fait plaisir. Bref, c'est un game pas possible. Je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking bill. Attends, c'est carré. Attends, HPP.